Salut tout le monde, c'est Vandrak et on se retrouve pour le 10e épisode de Batman Arkham Asylum. Et donc nous allons voir ce que nous réserve Harley Quinn. Des invités, ça ira mieux la prochaine fois. Non. Crève, sale chauve-souris. Hé, pas touche à la marchandise. Ma liste d'invités. Silence. Pourquoi y a-t-il des sourires devant certains noms? C'est toi le détective, à toi de me le dire. Entre dedans. Tu vas voir quand Monsieur J me retrouvera. Tu regretteras ce que t'as fait. C'est ce qu'on verra. Ouais, c'est ça. T'as raison de t'en aller, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Oracle, c'est bon. Harley est... maîtrisée. Et j'ai scanné ses empreintes. Vous pouvez trouver le labo secret dans les jardins. Oui, Harley est allée partout sur l'île. Je règle le scanner pour qu'il n'affiche que les empreintes contenant des traces de chlorophylle. Bon, écoutez, soyez prudents. J'ai reconfiguré un satellite pour qu'il affiche une analyse thermique de l'île. Les jardins sont chauds. Il s'y passe quelque chose d'anormal. Vachement augmenter la portée, ouais. Comment une... Thank you.
sais comment lire une carte, hein, détective? Merci. Hop là. Victor a été placé en isolement depuis l'attaque sur le garde la semaine dernière. En attendant qu'on me l'amène, j'ai eu le temps de relire ses notes. Je suis de plus en plus inquiète qu'on ne puisse pas le guérir. Il n'éprouve aucune empathie pour ses victimes. Je crois qu'il nous voit tous comme des victimes potentielles. Doc, vous allez bien? Que se passe-t-il? C'est Zaz, il est parti, enfui de l'isolement. Oh mon Dieu! Vous en faites pas, Doc. Vous êtes dans l'endroit le plus sûr. On est presque sûr qu'il a quitté l'île. Bien sûr, mais quelqu'un doit avertir les autorités. Il va avoir besoin de tuer à nouveau, vous me comprenez? Il en a besoin. Oh non, il est parti s'en prendre au docteur Cassidy. Allô? Sarah, c'est Gretchen. Écoutez-moi. Oh, Maud, ne quittez pas. Il y a quelqu'un à la porte. Sarah, ne répondez pas. Vous m'entendez? Ne répondez pas. C'est Zaz. Il est libre. Eh ouais. Oh, ah bah dis donc, il y en a donc bien les trucs. Ok, il n'y en a qu'un seul qui est raccordé. Bon, pourquoi pas. Quoi, ça s'est refermé? Oh merde. Ça c'est dégueulasse. L'île changea peu au fil des années. Sa renommée était salie, mais je jurais d'y remédier. Au fil de sa reconstruction, je vis apparaître l'avenir, un brillant avenir. Je suis enfermé, donc oui, pourquoi pas. Et comment je fais maintenant, moi? Oui, mais encore. Oui. Là. Quoi? Comment tu es sorti de là? Bah, tout simplement. Bon. Trêve de plaisanterie. Comment on sort de là-dedans? Là-bas. Donc à droite. À droite et tout droit. Plutôt le A. Et il me reste plus
à mélanger quelques-uns de ces produits pour créer ma propre petite armée. À droite. Nous sommes de retour dans la baie de Gotham avec Jack Ryder. Jack, nous voyons que tous les accès à l'île... ...sont interdits. La police et l'armée sont au point de contrôle. C'est vrai, l'île est efficacement isolée du continent. Il y a un point d'interrogation. Comment réfléchis-tu à tes réussites et tes échecs? Comme l'a dit Jack, nous ne savons pas avec certitude, mais il semblerait que Batman ait été tué dans la tentative. Encore une? Restez avec nous pour connaître les dernières informations. Et maintenant, retour en programme. Tu ne peux pas tout détrouver. C'est impossible. Bon alors maintenant. Je peux sortir, merci. Tout de même. Je sais pas si c'est bon ou pas par là. Combien des comme ça là? Mais monte.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous verrons bien. Voilà. Jusqu'ici, les inscriptions au programme Titan ont dépassé mes attentes. En raison de cette nouvelle santé, l'amélioration de tous les membres de mon personnel avec la formule Titan obligatoire. N'ayez pas peur, je sais que vous avez entendu parler de mutation et d'effets secondaires monstrueux. Mais pas d'inquiétude, ça n'arrive pas. Mais dégage-toi, là. Bon, allez, on va aller à la serre, là, ou je sais pas où. Voilà, le jardin botanique. Alors, je voudrais juste regarder un truc. Pof, nickel. La plus grande famille de Gotham domine la ville. Les défis apparaissent à ceux qui ont la... Là, je sais pas. Je dois suivre la trace d'Harley Quinn. Je ne peux pas perdre de temps à chercher la fabrique de Titan. Entretien avec un patient. Pamela Lillian Isley. 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui est un jour spécial. Que voulez-vous dire? C'est l'anniversaire de ma nouvelle vie. Quand j'ai trouvé mon vrai moi, ma destinée. Vous faites allusion à l'événement avec le docteur Woodrow ? Oui, à quoi d'autre ? À l'époque, je pensais que Jason m'avait empoisonné. Mais avec du recul, il m'a rendu un énorme service. Et pourquoi croyez-vous qu'il vous a aidé ? Il m'a montré le plus grand monde, un monde que je devais protéger. Bien sûr, ma première offre a été rejetée. Offre ? Vous avez essayé de tuer tout le monde à Gotham ? Parfois, il faut aller dans le vif du sujet pour avoir une meilleure pousse. Batman!
Alors. C'est de plus en plus facile, j'ai l'impression. Je suis sûr que ça vient de là-bas. Hé ! Pas les pattes ! Ah ! Allez, où tu te caches ? J'en ai marre ! Je vais te buter ! Là-haut, au-dessus de nous ! Parti ! Attends, je viens avec toi. Qu'est-ce que... Je suis sûr que ça vient de là-bas. Non, je vais crever. Ah punaise, ça met deux plombs à faire l'animation, c'est énervant. Que quelqu'un relève le petit. Ça met deux plombs à faire l'animation, c'est énervant. C'est dommage, je m'en sortais pas trop mal. Je dis pas trop mal. Tu fous ! Ah ! Hey ! Bas les pattes ! Oh ! Allez, au lieu de mettre deux plombs, on va faire l'animation. Je vais te buter ! Plus de Batman ! J'ai perdu sa trace ! C'est un crétin ! Ça risque plus de perdre ! On dirait que c'est 4 contre 1. Pardon. Faudrait mieux que ça reste comme ça. Je suis sûr que ça vient de là-bas. Allez, où tu te caches ? J'en ai marre. Hé ! Bats les pattes ! Allez ! C'est passé. Détache-moi ! Pitié ! Comment je peux faire tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est pigé ? Je suis sûr que ça vient de là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Allez, où tu te gâtes ? Hé ! Par ici ! Il y a quelqu'un là-haut ! Allez, la ferme ! Reviens, je mets tout ! On laisse là, on a d'autres problèmes. Trouvons Batman ! Je suis sûr que ça vient de là-bas. Qu'est-ce que tu fous ? Il reste bien dessous, tu sais.
entretien avec un patient, Pamela Lillian Isley, 14 novembre, 10h21. Bonjour Pamela, aujourd'hui je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous vouliez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose? Que voulez-vous dire? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham, tué des centaines de gens. En quoi cela est utile? Les corps ne m'intéressent pas, docteur. D'horribles tas de chair détruisant mes pauvres bébés avec leur cupidité et leur arrogance. Mais n'êtes-vous pas un de ces tas de chair? Vous étiez médecin aussi. Comment pouvez-vous nous tourner le dos? Assez facilement, comme vous le voyez. Mais pas à vous, Stéphane. Vous êtes différent. Je sens un lien entre nous. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. Ouais, n'importe quoi. Elle le manipule comme de rien. Rien du tout. Je suis inutile. T'as de la chance que le patron veuille pas te faire de mal. Il a dit que tu serais la paille idéale. Il est là! Éclate-le par terre! Explosez-les, Batman! Merde! Je vais trancher sur le secteur. Mais dégage! Aïe, ça doit faire mal! Vous ne tiendrez pas une minute! Le laisse pas frapper, crétin! Tu tiens le coup, mon pote? Je vais réduire tes os en poussière! Vous pouvez me libérer, Batman ? Non, je sais pas, là. Merci. Ça va ? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que vous êtes-il ici ? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. Pamela, j'ai ce que vous m'avez demandé. Elle vous plaît? Oh oui, Stephen, je l'adore. C'est une si belle fleur. Ça vous dérange si je la garde? Ah non, Pamela, je ne peux pas la laisser. C'est contraire au règlement. Je vous la rapporterai quand je viendrai vous voir. Laissez-moi, Stephen. Je me sens tellement seule. Vous ne voudriez pas que je me sente seule, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais personne ne doit la voir. Faites-moi confiance, Stephen. Merci. Embrassez-moi maintenant. Je ne peux pas. Les gens vont le voir. Personne ne les regarde. Quel est le problème? Vous ne m'aimez pas? Appelez-moi Ivy. Bien sûr que je vous aime. Évidemment. On dirait que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Ouais, c'était vachement plus dur qu'avant, oui. Comme tu dis.
Ma carte t'aidera, Batman. Bien, bon. Bon sang, quel acharnement, Batman! Toujours un train d'avance! Dans très peu de temps, je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sous les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Sujet trop petit, oui, mais... Comment tu zoomes? Je me souviens plus. Bien, bon alors, maintenant... Mais non, je m'en fous de ça. Donc j'imagine qu'il faut monter maintenant. Quelle heure boit-on le thé au pays des merveilles? Y a-t-il un truc à scanner qui permettrait de voir le pays des merveilles? Je crois quoi. Enfin, un truc en rapport, quoi. Une horloge, je sais pas moi. Toute chose. Il faut arrêter ça. Avant que ça aille trop loin. À ce rythme, tu ne mourras jamais. Je dois me sortir de ce pétrin. Ça c'est là. C'est un cul-de-sac, ah bon. Ok. Bon. Mène à quoi ces fils là au juste?
Ouais, mais j'en viens de là-bas. Bon. Voilà. Par où? Tac. Ça c'est fait. C'est quoi les autres? Ah si, il y en a d'autres. Pas grave. Bon alors. Qu'est-ce que quoi? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas lu du tout même d'ailleurs. Il a fallu plus que son charme à Ratcatcher pour diriger son armée. Est-ce un hommage à ce qu'un chien f... What? Bon. Tic. Oh bah comment j'ai pu le louper? Sérieux quoi? À l'aide! Réponds-lui! Il est là! Vous allez bien? J'ai l'air d'aller bien. Ils étaient prêts à me tuer. On se cachait dans la volière. Et ils sont arrivés avec le Joker. Ils ont tiré partout. Et nous ont mis dans des cages. Ils y sont encore? Personne. Personne n'est sorti. Vous devez les aider. Restez là.
Oui, bien sûr. Comment tu veux que j'aille de l'autre côté, ça? De ce côté-là. Bon, bah c'est sur ces paroles de Poison Ivy qu'on va se laisser là pour cet épisode. À l'aide! Pitié! Je dois sortir de là! Très bien! Batman arrive! S'il débarque, on expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, pitié. Ouais, il faut plonger. Bien, attention. Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Liquider l'opérateur. Bien, bon, bah je sens que ça va être compliqué, donc on va franchement se laisser là pour l'épisode. Donc je vous dis à bientôt, hein, et on se retrouve la prochaine fois pour tenter, je dis bien tenter, de réussir cette infiltration. Allez, ciao et à bientôt pour la suite.